Bonjour et bienvenue à la première édition de Vent de Campagne. Cette fois, votre émission dédiée aux élections fait la part belle au Régional 2020. En effet, il s'agit des toutes premières régionales organisées dans toute l'histoire du Cameroun. Les élections régionales se dérouleront le 5 décembre prochain. La campagne officielle a débuté depuis le 21 novembre dernier et s'achève la veille du scrutin, précisément le 5 décembre prochain. Pour cette première livraison de Vent de Campagne, ensemble, la brise des élections décryptera avec vous les termes conseillers régionaux. Nous donnerons la parole aux citoyens camerounais et enfin, nous dresserons le portrait d'une candidate, Anne-Marthe Nwoto, candidate dans la région de l'Est, précisément dans l'arrondissement d'Atok. Les élections régionales 2020 ont été lancées le 21 novembre dernier pour la campagne précisément. L'actu du jour est présentée par Carlette Essou. C'est tout de suite. C'est l'une des figures politiques qui porte le message télévisé de l'UNDP sur les antennes de la CIR TV. Le maire de Bagneau, Garba Soulé, était ce lundi matin l'hôte de son camarade Léonide Nfoum, communicateur national de l'UNDP, sur le plateau du centre de production de Mbalade. C'était dans le cadre de l'enregistrement des messages de campagne. Avec 41 conseillers municipaux, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, face au RDPC, compte batailler pour faire valider la liste de ses 13 candidats au poste de conseillers régionaux à Bagneau, dans la région de la Damawa. Dans cette course à l'élection du 6 décembre, l'UNDP mise, tout comme d'autres partis politiques, sur diverses stratégies de séduction. Excepté les messages radio et télévisés, les 14 partis politiques en course pour les régionales continuent ce troisième jour de campagne à convaincre à travers les meetings restreints visant les conseils municipaux. La campagne porte-à-porte, aussi observée, est par ailleurs pratiquée par les représentants des chefs traditionnels qui font pour l'instant moins de bruit. Les conseillers régionaux entrent désormais dans le vocabulaire des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'un conseiller régional? La réponse est donnée par le juriste Moussa Njoya. Il répond aux questions de Djamila Kadzalat. C'est la minute pour comprendre. Le conseil régional, c'est comme l'Assemblée nationale, mais au niveau du local, ou bien le Parlement, mais au niveau local. Et c'est pour cela que quand vous voyez son exécutif, il rappelle en tout point celui des chambres du Parlement. Ceux-là sont chargés de se prononcer d'abord obligatoirement sur tous les projets d'aménagement et d'infrastructures qui vont concerner la région. Donc l'État ne devra plus partir de Yaoundé pour venir dire vous avez besoin d'une route ici, d'une école ici. Donc on devra demander au conseil régional est-ce qu'il est opportun entre un pont, une route, l'électricité, une école, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? Deuxième chose, c'est eux maintenant, ils vont élaborer des projets à leur niveau, au niveau régional, d'aménagement, d'infrastructures dans les différents domaines que je vous ai cités. Sport, éducation, logement, infrastructures, protection de l'environnement, santé, etc. Ils devront également veiller à la sécurité, l'aménagement urbain régional et ils vont voter le budget, bien également. Bien entendu, ils vont voter le budget régional, ils vont établir une forme de diplomatie régionale, la coopération internationale décentralisée, ils vont signer des accords de coopération, etc. Ils peuvent contracter des crédits auprès de la Banque mondiale, des partenaires de développement, etc. Bref, c'est un niveau assez resserré comme un micro-état pour que les gens comprennent. On a constaté que l'un des problèmes de développement, c'est l'inertie. Le président de la République l'a rappelé plusieurs fois. Et l'inertie est due à quoi? C'est que la chaîne de décision pour les projets, pour l'exécution, le contrôle est très longue. Je prends un exemple très facile. Pour qu'une route passe, il vous faut 7 ministères. Le temps de délégation départementale, le temps de délégation régionale. Du coup, il y a un premier problème. Celui
d'établir la responsabilité. Là, maintenant, la responsabilité sera claire. S'il n'y a pas de route, les populations sauraient que c'est le conseil régional qui n'a pas fait son travail. Voyez un peu. Donc, le deuxième enjeu est celui de la responsabilisation des autorités locales. L'État veut se concentrer sur des activités majeures. La sécurité, la monnaie, l'économie, la macroéconomie, les relations extérieures, etc. L'État veut diminuer sa charge de travail pour pouvoir responsabiliser les populations à la base, pour qu'elles puissent choisir leur dignitaire. Comme cela, au lieu qu'à chaque fois tout le monde trouve que c'est le président qui pose problème, c'est le gouvernement qui ne fait rien du tout, que maintenant on estime qu'il y a des gens qui peuvent prendre en main les besoins des populations et auxquels les populations devront demander des comptes dorénavant. Le portrait de Vent de Campagne fait la part belle à une candidate, Anne-Marthe Mvoton, l'une des plus grandes présentatrices vedettes du journal télévisé de 20h30 sur la CRTV. Anne-Marthe Mvoton a laissé les plateaux télévisés pour les plateaux de meeting. Son portrait est dressé par Daoud Mouyom. Anne-Marthe Mvoton, son nom du paysage médiatique camerounais, flirte désormais avec la scène politique. C'est que la journaliste est candidate aux prochaines et toutes premières élections régionales du 6 décembre prochain au Cameroun. Native de la localité d'Atok dans la région de l'Est, elle veut mettre son savoir et son expérience au service du développement local de son terroir. Formée à l'école de journalisme de Lille en France, elle débute sa carrière toute jeune à Radio Cameroun. Après avoir pendant longtemps informé et bercé les oreilles des auditeurs par voie radiophonique, elle rallie le support télévisuel de la CRTV et devient l'une des présentatrices du journal télévisé les plus appréciées entre 2001 et 2008. En 2010, après son départ à la retraite, elle crée le magazine dénommé L'Afrique autrement. Le journal met un accent sur l'actualité et les réalités d'Afrique centrale. Elle intègre plus tard l'équipe rédactionnelle de Signature. Anne-Marthe Mvoton est loin d'être la seule journaliste à briguer un mandat électif à la tête d'une collectivité décentralisée. Sidonie Sikwa-Pongmoni, actuellement chef de chaîne CRTV FM 94, en est une autre. Elles sont toutes deux de l'écurie des reconvertis politiques de la CRTV. De retour sur le plateau de Vent de Campagne, il faut savoir que le scrutin des élections régionales se déroule le 6 décembre prochain pour élire notamment les conseillers régionaux. Mais quel est le processus pour élire ces représentants du peuple? La question a été posée à plusieurs citoyens de la ville de Yaoundé. Ils répondent aux questions de Nadège Mbaïma. Les conditions d'éligibilité sont fermées, c'est-à-dire que c'est au niveau de représentation des mairies. Et dans les mairies, chaque département donne un représentant, tel que ça a été circonscrit par le chef de l'État, où on donnait 9 ici, 10 là. Bon, à partir de là, c'est entre eux. Ça ne concerne pas la population. C'est la collectivité elle-même, c'est-à-dire les mairies et les grandes mairies, comme on appelle le maire de la ville, là, tout ça. Bon, en fait, ils sont élus par un conseil traditionnel et un conseil par les conseils communaux. Hein. D'abord, il faut être de nationalité camerounaise, d'abord, avoir un statut, un âge un peu plus constant, ça veut dire entre 50 et 60 ans en avant, de principe, n'est pas. Ceux qui n'ont pas fait la prison, quoi. Ceux qui n'ont, dans les conditions, je ne sais pas, en dehors de ça, je ne sais pas plus. La campagne électorale, c'est aussi sur Twitter et sur Facebook. Plusieurs partis politiques utilisent ces médias, les réseaux sociaux notamment, pour
diffuser des informations, publier la liste des candidats ou encore diffuser des informations sur les dates des meetings et des réunions. La campagne sur les réseaux sociaux, c'est signé Clara de Mahaps. La toile déjà aux couleurs de la campagne. Depuis le 21 novembre dernier, jour de lancement de la campagne en vue des élections régionales du 6 décembre prochain, les partis politiques utilisent les réseaux sociaux pour mener à bien leur propagande et communiquer sur leur activité en ce qui concerne la campagne. C'est le cas par exemple du RDPC, du PIOS de Serge Espoir Matomba ou encore du PCRM de Cabral Obi. Ce dernier a choisi Facebook pour diffuser en direct la cérémonie de lancement de la campagne du parti dans la région du littoral sur sa page officielle samedi dernier. Une cérémonie riche en couleurs relayée également sur Twitter. Pour ses premiers jours de campagne, le parti se démarque un peu des autres. Il a décidé de faire connaître certains de ses candidats sur la toile en publiant leur nom et visage. Grâce aux réseaux sociaux, le PCRM édifie les internautes en leur rappelant le contexte de l'élection régionale et l'historique des élections régionales au Cameroun. La même stratégie est adoptée par Serge Espoir Matomba et le PIOS. À travers leur page officielle sur Facebook, le PIOS présente le rôle des conseillers régionaux, la composition du conseil régional et son effectif. Sur sa page également, le président du PIOS est en pleine campagne. Les différentes activités par rapport à la campagne sont à la une. Le RDPC n'est pas en reste. La campagne a bel et bien démarré. C'est sur Twitter, à travers la page de SIA TV Web, que le secrétaire général du comité central présente les axes majeurs de la campagne régionale. Même exercice sur la plateforme Facebook. C'est sur ce réseau social que le secrétaire à la communication du comité central du RDPC a rendu public la profession de foi des candidates et candidats du RDPC. À présent, la campagne telle qu'elle, en regard d'Evelyne Ouna Souma, que nous accueillons sur le plateau de Vent de Campagne. Bonne arrivée. Merci, bonjour Gaëlle. Alors, Evelyne Ouna Souma, vous êtes une habituée des élections, mais une particularité pour la régionale de 2020, c'est qu'elle est assez timide. Et quel est le regard que vous portez dessus? Merci Gaëlle. En réalité, la campagne n'est pas timide. Elle est évidemment été habituée pour les deux dernières élections, la présidentielle et puis les élections législatives et municipales de février dernier. On a été habitué à voir des caravanes, des grands meetings, des t-shirts, des polos, des chapeaux, des casquettes, tous ces gadgets de communication. Et c'est vrai que dans le public, les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est que cette campagne? On ne voit rien, on ne sent rien, à la limite, on ne mange rien, mais en fait, cette campagne, elle est assez particulière du fait du collège électoral qui est ciblé. Lorsque le 7 décembre 2002, le président de la République convoque les collèges électoraux de cette élection-là, c'était une indication de ce que rien ne sera comme les autres. Qui sont ceux qui sont la cible des partis politiques? Eh bien, ce sont les conseillers municipaux dans les mairies à travers le pays. Ce sont eux qui sont appelés à voter et ce sont les représentants traditionnels, ce qu'on appelle de manière plus convenue les représentants du commandement traditionnel. Donc ce n'est pas vous et moi qui irons voter les conseillers régionaux demain. Donc, ce n'est pas étonnant en réalité que cette campagne n'ait pas le faste et l'engouement populaire qu'on a vu jusque-là. Alors, vous l'avez mentionné, une campagne assez particulière qui nécessite pour les partis politiques d'avoir des stratégies également autres que celles que l'on a l'habitude de voir. Alors, on est bien curieux, justement, Gaëlle, de voir ce que ça va donner, parce que cette élection régionale est nouvelle. Elle est nouvelle pour tout le monde. Hein. Il faut signaler que c'est la dernière institution mise en place conformément à la constitution de 1996. C'est la dernière étape qui consacre le parachèvement de la mise en place des institutions prévues dans la constitution. Donc c'est nouveau pour le pays, c'est nouveau
pour les électeurs, c'est nouveau pour les partis politiques qui, eux aussi, n'ont jamais eu à brider des places de conseillers régionaux pour leurs partis politiques et qui ont été habitués, j'allais dire, à l'ancienne formule des campagnes électorales. C'est pour ça qu'on les voit un peu... un peu tatillon. Est-ce qu'il faut venir passer des messages à la télévision ou à la radio comme d'habitude? Est-ce que ça porte? On hésite entre les grands rassemblements, les meetings, encore que ce contexte de 2020 est particulier avec la pandémie de coronavirus qui continue de faire des ravages. Donc il faut respecter les gestes barrières. Comment gérer cela? Et puis, peut-être que la solution viendra des réseaux sociaux. On l'a vu dans votre chronique tout à l'heure. Beaucoup ont investi les réseaux sociaux. Mais maintenant, la question, c'est est-ce que la cible est connectée? Est-ce que les chefs traditionnels sont connectés sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils vont recevoir ce message-là tel que les partis politiques le diffusent? On est en tout cas bien curieux de voir comment ça va se passer, mais nécessairement, ils ne pourront pas faire les choses comme d'habitude, les partis politiques. Ça va être une bataille qui sera intéressante de suivre. En tous les cas, on a 2 semaines pour confiner tout cela. Merci infiniment à Evelyne Wallet-Somba pour toutes ces informations. C'est moi. Et bien, c'était la campagne telle qu'elle que nous retrouvons sur Vent de campagne. Eh bien, c'était la campagne telle qu'elle avec Evelyne Ounaé-Somba qui nous reviendra dans les prochaines éditions, certainement. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à la première édition de Vent de campagne. La brise des élections s'en va, mais pour devenir encore plus forte dans nos prochaines éditions. À bientôt.